le conseil électoral. Michel, en parlant des élections, il y a un pile monde qui a demandé comme monde qui a candidat à la présidence. Sokasio, mesdames Michel. Le plus important aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour nous aller dans l'élection. Dans l'élection, pour nous aller, tout le monde qui a une belle idéologie, bel projet, belle phrase, c'est pour y aller vendre devant le peuple dans l'élection. Parce que ce n'est pas l'autre champ pour nous vivre sous pouvoir aujourd'hui. Ce n'est pas à travers les élections. Mais nous, dit communauté internationale, là, un problème important, pays, un problème de sécurité, et nous demandons pour aider Haïti à résoudre le problème de sécurité. Et tout groupe politique qui est dans la rencontre. De reconnaître qu'il y a un problème de sécurité et nous ne sommes pas capables de résoudre le problème de sécurité, un problème de gang pour contre nous. À la vérité, c'est seul le groupe Mondana qui pense que nous n'avons pas besoin d'aucun support pour nous résoudre le problème de sécurité. De toute façon, pour nous, et le message était clair, il faut impliquer tous les autres secteurs de la vie nationale dans l'implémentation du consensus national du 21 décembre. C'est ça lié, on va le négocier encore, on va le craser, accepter pour nous faire l'autre. On ne peut pas faire ça, ce serait une plaisanterie. Il faut aller vers les élections. Pour l'élection faite, il faut que c'est bien. Il y a l'autre acteur politique, il va le faire là. Bon, c'est pas moi qui vais choisir. C'est sous proposition HCTA que le gouvernement choisit. D'accord? Et tout juge que choisit, il fait partie d'une liste de juges que CSPJ a certifié. Moi, quand on a vu la dernière comme avocat, j'ai un partenaire, mais c'est des mondes très compétents, c'est des mondes qui respectent. Et on est d'accord avec le gouvernement, ça, Dr. Ariel Henry, FTBGA, ils ont un souci pour mettre les mondes crédibles, pour nous connaître en justice. C'est le gouvernement ça qui démonte CSPJA, c'est le gouvernement ça qui démonte Jean-Joseph Leu comme président pour la cassation. Et vu du SAO, grand pile là de on connaît, c'est des mondes honnêtes, des mondes crédibles, bon souci pour mettre des mondes sérieux, des mondes honnêtes dans la justice là, et nous féliciter pour travailler ça. Mais attendez, racontez-nous, vous faites séparer, racontez-nous, ça a terminé, l'autre acteur politique nous va qui. Chaque monde qui a versé par eux, puis le 21 décembre, Montana a versé par eux, après-midi à la fin. Le 21 décembre, Montana a été gagné, il y a l'autre groupe politique, il y a un compromis historique, concertation, c'est un groupe solide, c'était vraiment un parterre important de groupe politique que vous souhaitez recevoir là. De toute façon, et la bataille doit continuer. N'a toujours été patient, n'a toujours été flexible, parce que le problème pays a en pile, il n'y a aucun groupe qui a réglé le résoudre pour contre lui, et n'a pas travaillé. Et cette position, consensus national 21 décembre, n'a pas travaillé pour nous impliquer tout l'autre monde. Dans l'exécution accord 21 décembre. Nous ne sommes pas capables de faire pour contre nous, nous impliquer dans l'implémentation accord, mais nous ne pouvons pas tourner en arrière, à louer les négociations l'autre accord, à le fond l'autre HCT, ce serait une plaisanterie. Vous parlez des élections, nous ne pouvons pas continuer les élections dans le pays. Alors, ce que, en principe, je dis, c'est vers les élections qu'il faut aller. Les élections, vous allez. Oui, mais bon problème, sécurité qui empêche nous avancer effectivement, mais nous croyons tout que le gouvernement avec la CPA nous va monter le conseil électoral. Et objectif conseil électoral, c'est qu'on a un calendrier pour dire très clairement, mais qu'il en a fait élection. Et c'est pas seulement élection, il faut faire révision constitution. Nous-mêmes, les SDP, nous avons une bonne proposition que nous préparons. Moi, nous avons un référendum. Nous avons une bonne résolution que nous préparons, une bonne proposition que nous préparons les SDP. Nous avons ouvert la bataille. Campagne pour réviser la constitution, pour nous faire proposition. Et nous prenons le marché dans tout le pays pour nous dire mes propositions pour nous capables de réviser la constitution. Il y a un pile problème qui mérite de régler. Mais d'abord, il faut monter le conseil électoral. Mettez Michel, en parlant des élections, il y a un pile monde qui a demandé comme monde qui a candidat à la présidence. Sokasio, mettez Michel. Mettez Michel, je dis à la. Vous êtes en compte, vous représentez le SDP dans compte ça. Qui est-ce qui sorti? Bon, ce n'est pas le SDP, c'est le consensus du 21 décembre 2022. Bon, on connaît son rencontre fait à l'initiative de la délégation de la CARICOM qui était invité nous non logique de dialogue. D'ailleurs, de notre côté, nous sommes toujours favorables à la question de dialogue inter-haïtien. Nous venons dans la rencontre. Le premier bail que nous faisons, nous disons que nous estimons qu'il y a deux groupes importants dans la société civile là, que nous n'avons pas rencontrés.
Par exemple, dans pile groupe, dans le secteur vaudois, des groupes très représentatifs, si on parle de société civile en Haïti, ou pas capable de pas inviter. Des groupes tant pour KNVA, des groupes tant pour Royaume Vaudou, c'est des groupes très représentatifs de la société civile. Et les vaudouisants, ils sont partout à travers le pays, ou pas capable de pas inviter. Et nous disons tout, il y a des secteurs importants, ils sont pas invités pour la société civile là, le secteur protestant par exemple, on sait que pour organisation protestante, ils ne sont pas invités. Ils ne sont pas capables de dire fort. Haïtien Antonio, on pas qu'à dire fort nous impliquer tout le monde dans l'application après 21 décembre pour nous mettre sous côté vaudouisants, pour nous mettre sous côté protestants, pour nous mettre sous côté géniaux, pour nous mettre sous côté un série de femmes qui bataille à travers le pays pour nous être capables de subvenir à besoin de famille. Pour nous, représentation ou fait des sociétés civiles là sont mauvaises représentations. Il y a des groupes importants qui n'ont pas invité, il y a des groupes importants qui ont exclu. Et nous demandons de corriger ça pour chaque fois qu'il y a une formation en Haïti. C'est une réalité. Mais ils comprennent que le problème de sécurité est réel et que ils sont mieux armés pour faire plaidoyer pour garder comment aider Haïti à sortir de cette impasse. Nous, quand on fait séparer, ils ont groupe pour avoir le groupe rentré. Non, ils fait groupe politique avant. Okay. Non, quel groupe politique moi qu'on est pas entré là. Yo prend comme société civile. Nous on paye comme la balance. Oui. Yo prend mais yo prend quelque yo pas mais toute salle là pas gain place. Salle que après ce va mon je comprends ce vous. Ah non, c'est en décembre avec Ngana. Non, oui, mais nous gain solide qui pas ni solide de la tout, qui pas ni Montana ni Vedens. En tout cas, nous pensons que c'est toujours bon le dialogue, que ce soit entre nous haïtiens, que ce soit avec les gens internationaux, de la CARICOM, de l'OEA et de la société, pour permettre que nous avancions et sortir pays dans sa tête. Sénateur, bon, chaque fois, nous critiquons nous un peu, vous comme haïtien. Nous avons le chita, nous tout chita, pour en blanc, pour tout le monde. Non, ça, pas qu'à dire. Qui fait un accord en septembre. C'est parce que nous sommes ensemble. Comment est-ce que vous avez peine? Parce qu'il y a plein de monde qui a d'accord avec nous. Nous sommes capables de dire que une série de monde, c'est les blancs venus seulement, ils ont fait un monde. Mais nous-mêmes, nous la grande majorité. Je pense que nous chitons ensemble l'aile nécessaire et nous sortons avec deux grands accords et nous voulons que l'accord aille beaucoup plus large encore. Nous jouons 11 septembre, nous jouons 25, nous jouons 21 décembre et nous cherchons à jouer un bagaille qui rallie tout le monde autour de la sécurité pour nous capables d'aller au sud. Ce qu'il faut retenir, s'il vous plaît, monsieur, dame, le monde qui a attendu nous et nous-mêmes qui a questionné nous. L'unanimisme n'existe nulle part. Même dans le régime communiste, je ne peux pas tout le monde qui est d'accord. Il y a des bagages qui sont différents. Ça veut dire que pas de personne qui peut parler d'un consensus largement large. Ça n'existe pas. Dans toute démocratie, on a besoin d'opposition. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir doivent continuer. Il faut que continuer à chercher le monde pour dialoguer, pour avancer. Il faut avancer sur la question sécurité, il faut avancer sur la question CNPA, il faut avancer sur l'élection. Donc, on pense, et sur les défis aussi, les défis économiques, les défis sociaux, les défis culturels. Donc, pour moi, les rencontres sont utiles et je peux continuer à faire tout en se disant il y a un premier pas qui a été franchi, c'est le consensus du 21 décembre. Autour de ce consensus, on implémente le cadre dialogue pour nous capables d'aller sous constitution, la révision constitutionnelle, pour nous aller vers les élections. Écoutez-moi, et un speech qui dit en politique, personne n'est pas capable de droit pour l'ouvrir bouche pour dire on va changer tout le bagage. Même si lui-même il dit yes we can. Oui, mais attends, pour qui ça le dit nous. Mais d'abord, il faut monter le conseil électoral. Mais attendez, Michel.